Eh bien, salut tout le monde, c'est Mantotti, on se retrouve pour l'épisode 4 et même final de notre let's play sur Mario Kart. Donc c'est un petit let's play assez court, fun. Il y aura un épisode bonus hein, pour vous montrer un truc. Alors, je vais faire 3 dédicaces. Une dédicace à Milan quelque chose, je ne sais plus c'est quoi ton pseudo, mais je suis désolé, qui a lui voté pour Peach. Et une autre dédicace à... Papa Creeper et Xavier Montero qui a voté pour Yoshi tous les deux. Donc j'ai remercié les trois qui ont quand même voté. J'ai failli prendre Peach. Mais bon, j'ai eu 2 votes pour Yoshi et 1 vote pour Peach. Donc je vous remercie tous les deux. Tous les trois. Donc on va continuer notre petite aventure. Voilà. Alors. Ah ben ça tombe bien parce que dans ce niveau, il y a un niveau Yoshi. Donc ça tombe bien. Alors. Donc c'est pas dans les commentaires de l'épisode dernier qu'ils ont voté. C'est dans un commentaire Facebook. Dans un vote Facebook. Donc n'hésitez pas à y aller. À me rejoindre sur Facebook. C'est Mantotti. Mantotti Blin, mon pseudo, donc vous pouvez facilement le trouver. Je crois que je suis le seul à m'appeler comme ça. Au pire, ce n'est pas grave. Alors, je vais régler quelque chose qui me déplaît. Voilà, c'est ça. Oh, t'es un petit peu éloigné là, mon petit Yoshi. On va se rapprocher quand même. Voilà, donc le premier c'est Bowser. Alors, un pour Bowser. Et un autre pour Bowser. Quel jeu magnifique. Je trouve je crois qu'ils l'ont refait ce niveau, mais je sais plus sur peut-être sur 3DS, je suis pas sûr. Peut-être qu'ils l'ont jamais refait. Ah, sur Wii peut-être. Il me semblait avoir revu le bateau d'une texture ma foi meilleure. Moi je crois que c'est sur Wii qu'ils l'ont refait. C'est fort possible. Mais je ne sais plus. Bim, oh là là. Ça c'était beau, oh là là. Ah ouais, je suis plus motivé que la dernière fois quand même. C'est génial. Alors j'y vais vraiment à fond, je sais qu'il y a une course qui va être très longue. Ok, je suis désolé. Vraiment, franchement. Je suis désolé. Peut-être qu'un jour je ferai... Ah ouais, pourquoi pas, ça pourrait être sympa de faire ça. Donc là je vous fais que ceux qui sont 3D par contre. Que les Mario Kart 3D parce que les autres ils sont... J'aime... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est... J'ai essayé et c'était vraiment dur. Donc, autant... Peut-être qu'un jour, je vous ferai la version GameCube, parce que je l'ai, la version GameCube. Je vous ferai la version Wii, puis ensuite la version DS, 3DS, enfin, ainsi de suite. Donc, voilà. Oh, je l'avais pas vu. On était deux, là. Oh, il y avait un joli petit bug graphique. Si vous faites ça, vous pouvez... Voilà, monter. Ça, on va le garder pour une protection. Voilà. Ah là là, c'est génial. J'ai toujours kiffé ce jeu, en fait. Ah là là. Salut. J'ai eu l'impression que ma carapace, celle-là que j'ai en ce moment, a disparu pendant un court instant. Tout à l'heure, là, quand je me suis cogné contre le mur. Mais ça se trouve, je rêvais complètement. Oh non. Oh non, non, non. Reste sur la piste. Alors, vu qu'à l'époque, les jeux, ils étaient pas de meilleure qualité qu'ils soient. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était encore dans les écrans carrés, quoi. Il n'y avait pas encore les écrans rectangles, les télés rectangulaires. Donc du coup, quand on jouait aux jeux vidéo, bah, forcément on avait une télé carrée. Donc vous voyez sur votre écran d'ordinateur comme si c'était rectangle, sans les bordures noires si vous préférez. Tout simplement parce que j'enlève les bordures noires au montage. Sur certains jeux, ça rend dégueulasse, comme les jeux, par exemple Game Boy Advance, ça rend un truc dégueulasse. Donc du coup, je le fais pas. Mais sur les jeux 64, ça va. C'est pas un truc dégueulasse. Alors, je trouve ça génial, franchement, pour un jeu à l'époque comme ça.
graphiquement, bien sûr, enfin, je parlerai tout ça exactement des graphismes, de ce que je pense du jeu à la fin, parce qu'il y a un crédit aussi, je sais pas s'il va y être. Ah bah voilà, là j'ai loupé un dérapage, vous avez jamais vu ce que ça fait quand on loupe un dérapage. Pourquoi j'appelle ça un dérapage? Quand je loupe une super vitesse, en fait, quand on commence une course, on peut accélérer et aller très vite dès le début, ou alors tout simplement ne pas aller très très vite. Voilà. Ou alors, si tu restes appuyé sur l'accélérateur, bah t'es un petit peu dans la merde. Ah non, j'avais oublié ça. Là, comme vous pouvez le voir, je suis dernier, je pense, ouais. Je plus jamais je passe ici. Il y a Donkey Kong ici. Alors, le problème dans cette course, c'est que c'est un labyrinthe en fait. Et qu'on ne sait jamais qui est premier, qui est où. Oh, j'en ai eu un autre. Ah bah dis donc, j'ai que des bons trucs là. Wow. Ce niveau il a été refait sur Wii aussi, je crois. Il y a beaucoup de niveaux qui ont été refaits sur Wii, je remarque. Je sais pas si c'est moi qui est premier. Non, je crois qu'il y a quelqu'un encore de devant. Oh, j'ai cru que j'allais y arriver sans me faire toucher, tu parles. Est-ce que c'est... Ah non, bien entendu, c'était faux. Ah bah là, lui, je vais me le prendre. Putain, non, j'ai vraiment pas de chance. Arrêtez! Allez, grimpe! Oui, oh, il y a Todd ici. Ah, j'ai vraiment... Il y a Mario. Ok. Ah, la chance, la chance. Bon, ce qui compte, c'est que je termine dans les 4 premiers, mais ça va être chaud, là. Mais... On sait jamais trop où on a. On a eu 3 éclairs dans un seul niveau, c'est génial. Ah là là. Yassou! Oh non, oh non, oh non, oh non. Ouh là 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 là. Et puis pour le dernier, n'hésitez pas encore à me dire dans les commentaires, ça je le dirai encore une fois à la fin, qui vous voulez que je prenne pour l'épisode bonus. Je remarque qu'il y a quelqu'un qui bouge plus tout en bas, il est bloqué. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un de bloqué en bas. Ah, bien sûr, même en freinant, ça m'arrive. En tout cas, c'est pas le premier. Je sens que j'ai terminé dans les 3 premiers au moins. Mais... Ah, c'est bon, il a repris. À mon avis, il avait eu un bug avec l'œuf. Hop. Oh, j'ai eu un speed. Un champignon. Oh non! Oh non! Celui qui est juste devant moi, je pense. Oui! Ah, touche-le! Ah, je suis dans la merde. Non, non, non. Quatrième, quatrième. Ok, je terminais quatrième. Cette course, je crois que c'est la pire de toutes. Ils l'ont refait sur quelle console? Je crois que c'est sur... Cette course, ils l'ont parfaite sur Wii. Mais sur Wii U, je crois. Ouais, je... Enfin, je sais plus. Enfin, je crois qu'ils l'ont fait sur Wii U, mais... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Je suis toujours premier, je crois. Mais bon. Maintenant, il faudrait que je termine au moins premier. Ah, c'est... Oh, mais Bowser, il a ce truc qu'il est lourd et du coup, on peut pas le tuer. Et foncer dedans, il est toujours devant moi. Oh non. C'est vrai que c'est que le début. Ah oui, il faut pas appuyer sur l'accélérateur. C'est vrai. Voilà. Putain, maintenant je suis loin derrière, ça va être chaud. Il glisse, c'est fou. Oula, oula, oula. Épilepsie. Peut-être pas des... Ah oui, alors oui, crise d'épilepsie. Ici, c'est fort. Ils sont tous là, quoi. Salut. Je suis deuxième. Les murs, on les aime.
J'ai chaud. Bon, j'en ai deux, on va les garder. Oh, fuck that shit. Hop, alors je vous avoue là je suis assez concentré parce que... Oh non! Je sens que je vais y passer. Voilà. Oula, je suis vraiment concentré. Ouais, j'en ai eu un, je suis quatrième, j'aimerais éviter de l'être. Quoi? Non, 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 non. Ah, ouh. Je croyais que c'était le dernier tournant, il en reste un. Oh là là. Mauvais calcul. Mauvais calcul! Oh oh. Oh oh. Oh oh! Coucou. Ah non, 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 non! Ouh là là! Je crois qu'il y en a, ils vont se foutre littéralement de ma gueule, c'est vraiment génial. Voilà. Oh merde! Oh non! Ah oh, ça c'était le combo ça. Non, aucune envie de terminer quatrième, d'accord? Ouf. À la limite 5ème pour recommencer la course, mais pas 4ème. Ah, je crois que c'est ce que je vais faire. Ah, j'étais trop sûr de moi. Mais bon, la vie l'a décidé ainsi. Non! Il est sérieux de s'être pris la banane là? Oh le fait. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Faut que je termine premier absolument là! Bon ça va. Route arc-en-ciel, donc cette route arc-en-ciel a été faite sur... Sur Wii U. Et ils ont remarqué qu'elle était tellement longue que du coup ils ont littéralement raccourci sur Wii U quoi. Enfin la course est toujours la même, mais disons que au lieu de faire 3 tours on en fait qu'un seul quoi. Et j'aime bien regarder les décors à chaque fois que je joue, genre là il y a le Mario, hop, Peach, Luigi. Voilà, oh là là. Petit RAM, ça arrive de temps en temps. J'étais admiré par ça, franchement. Je l'ai vu, j'ai fait oh là là. Alors, je vous laisse admirer la musique. Voilà, donc je vous laissais un bon moment. Oh non! Yeah! Oh no, j'ai perdu mon unique espoir. Non, je rigole. Il avait une banane, cet enfoiré. C'est pas grave, j'ai la technique. Alors, sur cette course sur Wii U, pour ceux qui m'ont trouvé, parce que je ne donnerai pas mes comptes de Wii U et tout ça, enfin bref, pour ceux qui m'ont compris. Vous aurez pu me voir donc à l'époque où il y avait le jeu qui a été découvert, enfin où j'ai acheté le jeu, il n'y avait pas grand monde qui l'avait au moment. Je l'ai acheté une semaine quand il est sorti, dans la semaine je l'ai acheté, et j'avais fait un putain de bon record sur ce niveau là sur Wii. Une fois que j'ai vu que j'avais beaucoup de mal à rattraper mon record, chose qui, quand j'y jouais souvent j'arrivais à rattraper, mais au bout d'un moment
Mais c'était difficile, je faisais au moins une fois par jour et dans la semaine j'arrivais au moins à me remonter. Et là je me suis pris le chomp. Mais voilà. C'était assez chaud quand même. Et donc j'ai fait un putain de bon record que j'ai abandonné. Peut-être qu'un jour je le reprendrai. Mais là je peux pas. Je veux dire, je suis allé trop loin dans mes scores, je trouve. Donc, Et là on fait un saut! Je kiffe faire un saut ici, par contre j'ai un peu peur d'aller dans le vide là. Ouh là là, j'ai chaud. Yahoo! Ah, si on reste derrière, on a un speed, comme avant. Je savais pas. Et allez go! Je crois que c'est qui le premier? C'est Wario. J'ai vraiment peur qu'il gagne ce con. Mais bon. Il y en a un qui est tombé, je sais pas comment il a fait pour tomber dans le vide, franchement. Tiens, ça. Oh non, ça aurait pu le calmer. Genre, depuis quand la carapace bleue, elle peut se cogner? Je sais pas, mais elle le fait apparemment. Le champignon. Hop, en tout cas, ça me fait vraiment. Ok, la carapace rouge a juste un petit peu volé, mais c'est pas grave. En tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver sur un jeu que je jouais énormément quand j'étais petit. Franchement, je pense que je l'aurais pas dit assez, mais bon. Voilà, ça fait toujours plaisir. Hop. Des fois, je regarde des speedruns sur Mario Kart et je vois les gars. Waouh, mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades, quoi. Je crois qu'il n'y a qu'un seul jeu où dans le contre-la-montre, ils ont jamais réussi à avoir le meilleur résultat parce que Nintendo a fait pour que ce soit limite impossible. C'est Mario Kart Double Dash. Celui sur GameCube qui est vraiment dur. Ah, ils ont trop d'avance les deux autres là. Enfin, dites-vous que là j'ai fait que un seul tour, hein. On a fait plus de la moitié du deuxième. Mais voilà quoi. J'ai une étoile dans la route arc-en-ciel, c'est rigolo ça. Oh non! Tu le vois quand même, je veux dire. Tiens, je passe deuxième. Il m'en reste qu'un seul à rattraper. Ah, c'est moi qui l'ai eu, ça va. Bah, écoute, Todd, je suis pas d'accord. Non! Mais what? Les bugs de ce jeu sont vraiment magnifiques. Non, là, je veux dire, à la base, je vais juste rouler, hein, je veux dire. Je suis huitième! Gros problème, ouais. Très gros problème. Là, faut que je rattrape mon retard. Disons que ça va, que la course est longue, mais je n'ai aucune envie de... Ah, quoique. Quoique, tant que je suis pas quatrième, ça va. Si je suis avant... Bah, je recommence la course tout simplement. On voit Luigi là. Non. Yes. Toi. Je te double. Il en reste un seul à rattraper. Et on le voit plus dans l'écran tellement qu'il... Ah non, il était juste invisible. Cool. Faut des blocs, voilà. Je le surveille quand même. Voilà, je suis premier. Cool. Maintenant faut que je le reste. J'ai de l'avance quand je regarde, j'ai beaucoup d'avance. On va garder la banane au cas où s'il me tire un missile rouge. Je suis sauvé. Hop. Donc je suis toujours en sans cesser. Alors. J'ai un peu peur parce qu'il doit être pas très loin derrière moi quand même. Ouais. Voilà. Moi j'ai quelque chose. Ah non. Alors toi. Je te le dis direct. Laisse-moi tranquille.
Hop. Il faudrait des blocs. Ouais, il y en a là. Bim. Laisse-moi. Yes! Alors là, j'ai eu vraiment un très bon truc. Bon, au moins, il a terminé 3ème. Donc, je crois que c'était Wario le premier, Bowser le deuxième. Et moi, j'étais 3ème. Là, je pense que je remonte. Peut-être pas à la première place, mais. Ah, juste. Ah, je suis 2ème. Je suis 2ème. Ah, merde. Merde. Je suis 2ème. Bon, c'est pas grave. Fallait bien que ça arrive à un moment. Voilà. Donc, votez pour l'épisode bonus, parce que dans l'épisode bonus, je vais vous montrer comment aller ici, là, dans le château de Peach. Et je vais vous montrer ça fait quoi si on est quatrième. Voilà, donc moi, en l'occurrence, je suis 2ème. Et c'est qui là-bas qui est 4ème? C'est Luigi. Le porc, voilà. Je suis 2ème, oh, je suis triste. Je pensais arriver au moins toujours premier, bah non. Bah non. Bon, au moins, ce qui est sûr, c'est que dans la route arc-en-ciel, j'ai fait ma fierté du record, quoi. Je suis arrivé premier. C'est ce que je voulais. Hop. Voilà, donc j'étais, excuse-moi, j'étais vraiment assoupi par la musique, quoi. Donc, coucou Yoshi, ouais, il me fait coucou à la main. Est-ce qu'on a le crédit? Ah, y a pas de crédit? Fait chier. Mais je voulais rajouterai, moi. Non, je rigole. Dans mes souvenirs, il y avait un crédit, je crois qu'il faut toujours terminer premier dans toutes les courses. La flemme, d'accord? Vous comprenez? La flemme. Dans l'épisode bonus, donc, vous aurez le choix entre Mario, Donkey Kong, Wario et Peach. Si vous voulez voter, soit vous mettez dans les commentaires YouTube, soit vous allez sur Facebook et vous guettez, parce que je vais mettre forcément un lien. Et voilà, donc je remercie encore les trois zigotos là, les trois coquins. Enfin, je rigole. Enfin, voilà. Arrêtez, vous m'embêtez. Donc je remercie les trois qui ont voté. Il y en avait deux pour Yoshi et un pour Peach. Donc dans l'épisode prochain, vous aurez le choix entre Mario, Donkey Kong, Wario et Peach. Et je sens que vous allez être sadique en allant me mettre Peach. Enfin bref, c'est pas grave. Donc c'était l'épisode final de ce let's play. Donc maintenant on va parler, avant de se quitter, on va parler des graphismes du jeu. Donc voilà, je vous ai montré les personnages. On va parler des graphismes du jeu. Donc on va aller dans ça. On va prendre Yoshi, parce que dans les 7 épisodes là, c'est Yoshi. Et on va prendre une course que j'aime bien. Ah ah, ouais, alors, voilà. Donc, ce que je pense du jeu... Alors, on va commencer tout d'abord par les musiques. Les musiques de ce jeu sur certaines courses, elles sont vraiment... formidable. C'est souvent quand il y a des remakes de jeux 64, le premier truc qu'on regarde, qu'on écoute, c'est vraiment le son de le remake de la musique. Après, on regarde bien entendu surtout le graphisme des remakes, comment la course a été bien refaite. Mais voilà. Donc ça, c'est ma course préférée. Je l'avais pas dit, même si j'ai beaucoup galéré dans mon let's play, c'est ma course préférée. Et voilà, donc je veux dire, le jeu a des très bonnes musiques, des graphismes. J'ai pas le droit de dire que c'est moche parce que c'est la Nintendo 64. C'est plutôt beau. Il y en a, ils vont dire quoi, mais regarde, va voir Advanced Warfare, c'est beaucoup mieux. Il y en a, ils vont me dire regarde Zelda Wind Waker Remake Wii U, il est beaucoup mieux fait. C'est sûr qu'il vaut pas un Mario 64 ou un Zelda Ocarina of Time ou un Zelda Majora's Mask
sur 64, mais il est quand même joli. Les musiques, j'aime bien. La difficulté du jeu, quand j'étais petit, quand j'ai rejoué au jeu l'émule, et je dis oh là là, ça va faire des souvenirs, mais quand j'étais petit, il était vachement facile, je me rappelle, voire même trop facile. Tu parles, oui, c'est juste quand j'étais petit, j'étais un putain de PGM sur ce jeu, et là non. Voilà. Il est vraiment dur, je trouve assez dur quand même. Moins dur que ceux en 2D, mais il est dur quand même. Voilà. Après, est-ce que les courses sont longues? Dans ce jeu, il n'y a qu'une seule course qui est très très longue, c'est la course arc-en-ciel. Elle est vraiment longue, je pense que vous l'aurez remarqué, enfin bref. C'est pas grave, ça fait quand même plaisir. Qu'est-ce qui peut être chiant dans ce jeu? Ce serait vraiment le choix des cubes. Le choix des cubes est vraiment divers, hein. Il y a beaucoup de choses. Mais il y a un truc que j'avais jamais eu quand j'étais petit, enfin de souvenir, je l'avais jamais eu. C'est la carapace bleue. Et je trouve que c'est un peu bizarre en fait. Les cubes ont divers choix, mais les choix sont un peu variés. Je veux dire, c'est le but qu'ils soient variés, mais je veux dire, quand vous serez premier, vous aurez toujours. Toujours les bananes ou je sais pas quoi, et là je pense que vous me comprenez. Ce que je veux dire, c'est par exemple dans les nouveaux on va quitter le niveau dans les anciens non dans les nouveaux c'est putain je vais y arriver dans les nouveaux je vais y arriver à m'exprimer. Attendez. Attendez. 3, 2, 1. Esprit, exprime-toi. Bon, voilà. C'est bon, je vais y arriver. Ce que je veux dire, c'est que dans les derniers jeux Mario Kart, quand on est premier, on aura toujours les mêmes choses. C'est-à-dire une carapace, une banane. Et de temps en temps une carapace rouge. Alors que si on est dernier, on risque d'avoir une fusée, on risque d'avoir des trucs cheat. Ça, ce qui est normal. Mais quand on. Ce que je veux dire, c'est que dans celui-là, bon. C'est très rare de tomber sur un éclair quand t'es premier. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux y tomber avec beaucoup de chance. Alors que dans les nouveaux, je sais pas si tu peux y tomber, mais c'est très dur d'y tomber. Très très dur. Alors que dans celui-là, c'est peut-être un petit peu plus simple et bon, vu sa difficulté, c'est peut-être mieux. Mais bon, j'espère que ce let's play vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine pour finir mes deux let's play qui sont en cours. Celui-là, c'était vrai. À la base, c'était pas censé être un let's play, je vous le rappelle. C'était censé être une vidéo détente et j'en ai fait un let's play. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce let's play vous aura plu. Mais je vous rappelle qu'il y aura une vidéo bonus qui viendra, je sais pas, voilà. Il y aura une vidéo aussi où je parlerai de la rentrée, parce que je vous rappelle que je suis encore un collégien, et que c'est bientôt la rentrée. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis dans le 04, donc la rentrée, moi, c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, donc voilà, c'est chaud. Disons que je déteste l'école, mais ça, c'est tout le monde. Enfin, bref, je vais arrêter de m'éterniser là, et je vous dis bye bye. Allez, ciao ciao les gens.